Nous sommes Doc'K. On vient d'ouvrir notre chaîne YouTube axée sur la science et l'environnement. Alors n'hésitez pas à nous bombarder l'espace commentaire d'idées de sujets de vidéo. Réchauffement climatique. Réfugiés climatiques. Tiens, il y a un commentaire sur une manif pour les réfugiés climatiques. Si tu veux, j'y vais. Bah ok, vas-y. Pendant ce temps-là, je vais faire des recherches sur Internet. Ok, donc si j'ai bien compris, un réfugié climatique, c'est quelqu'un qui est obligé de quitter son logement, voire son pays ponctuellement ou définitivement, en raison de catastrophes naturelles comme la sécheresse, la désertification, la montée des eaux et les tremblements de terre. Bon ok, je vais voir où en est Kevin. Ouais, regarde, j'en arrive sur la manif. C'est dingue, il y a tellement de monde. J'essaie de poser quelques questions à quelqu'un. Bonjour, est-ce que je peux vous poser des questions par rapport à la chaîne YouTube? Prenez-vous à la manif aujourd'hui? En fait, les réfugiés climatiques, à l'heure actuelle, n'ont aucun statut juridique officiel. Ils n'ont aucun droit, aux yeux de la loi, ils n'existent pas. Ah ouais, d'accord. Mais en 2050, il n'y a toujours pas de statut juridique alors qu'ils en parlaient déjà en 2015. Selon l'Observatoire des situations de déplacement interne en 2015, 19 millions de personnes ont dû quitter leur pays en raison de catastrophes naturelles. Comme le montre ce graphique, la plupart des gens ont fui leur pays en raison d'inondations importantes. Ah tiens, ça me fait penser à une visioconférence que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps, celle de Marie Denis, de Sciences Po Paris. Elle fait des recherches à l'heure actuelle sur les réfugiés climatiques. Dans quel pays compte-t-on le plus de réfugiés climatiques qui sont contraints à partir? C'est surtout au Bangladesh, notamment par rapport à la densité de population. D'autres territoires sont concernés par cette hausse du niveau des mers, comme les îles du Pacifique. Bonjour, je cherche un réfugié climatique. Oui, ben moi je suis américain. Puedes hablar en español? Yo comprendo. ¿Cómo llegaste aquí? Vivía en una casita en Cancún que fue inundada. Fui a México donde no encontré trabajo porque éramos millones como yo. Entonces decidí ir a España, pero sin estatuto jurídico no encontré trabajo. Me dijeron que era más fácil en Francia, pero es el mismo problema aquí. Oh, muchas gracias. Monsieur le député! Monsieur le député! Non, j'ai pas le temps, faut que j'aille au Parlement européen à Bruxelles. Avez-vous vu la manifestation aujourd'hui? Où en est-on? Et où on parlait au Parlement? Justement, il n'a toujours pas de statut. Et que pensez-vous d'un référendum, comme le proposent certains manifestants? Nous comptions en parler à Bruxelles. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous et activez la cloche. On suit l'affaire et on vous tient au courant.